Enfin. Alors, enfin, c'est le titre, comme vous le voyez, du dernier livre de Paul Andreu, paru aux éditions Gallimard au début du mois de mars. Et c'est aussi le titre de la prochaine soirée Texte et Voix, qui aura lieu à Rédol le lundi 31 mars à 20h, toujours en collaboration avec la librairie Chan, et avec cette fois les acteurs Dominique Pinon et Christiane Coendi, qui liront de larges fragments de ce livre en présence de l'auteur. Alors l'auteur, c'est Paul Andreu. Il est connu évidemment en tant qu'architecte, mais Paul Andreu, c'est aussi un écrivain. On s'en est rendu compte déjà, puisqu'on a eu l'occasion d'entendre déjà plusieurs de ses textes. L'année dernière, on avait entendu des fragments d'Archimémoire, qui était un livre qui revenait sur son parcours d'architecte, mais dont on comprenait dès la première minute que c'était avant tout un livre d'écrivain. Et puis ici, c'est un roman. C'est un roman. Précédemment, Paul Andreu nous avait laissé des récits à la première personne. Ici, ce sont des personnages de fiction. C'est un homme et c'est une femme. Ce sont deux êtres qui sont dans une solitude terrible et en même temps, ce sont des êtres que l'on pourrait rencontrer demain sur un trottoir parisien. Ce sont des personnes absolument normales, si on peut les qualifier ainsi. Et en même temps, chacune est dans sa solitude. Elle, parce que peu à peu, sa mémoire l'abandonne et donc elle perd peu à peu le souvenir des moments qu'elle a vécu et des gens qu'elle a aimés. Et puis lui, parce que c'est quelqu'un qui est sorti de prison et qui, depuis, vit reclus, entouré de livres. Il passe sa journée à vivre par procuration à travers les récits et les romans qu'il dévore. Et donc ces deux personnes-là, de manière tout à fait improbable, vont se rencontrer. Vont se rencontrer, vont se parler. Il y a un lien qui va se créer entre eux, un lien qui va devenir un amour. Et puis finalement, il l'accompagnera dans son dernier voyage. Et je ne vous dévoile pas la fin, bien sûr, mais je peux vous dire que c'est finalement un livre très optimiste. Ce livre s'appelle « Enfin ». C'est d'ailleurs le dernier mot du texte. Et « Enfin », ben, « Enfin », c'est simplement « Enfin ». L'amour peut venir, enfin une rencontre peut avoir lieu, enfin même dans une vie qu'on imaginerait fermée définitivement close, une brèche peut se créer et la rencontre de l'autre peut avoir lieu. Voilà, je vous invite à venir découvrir ce texte. Christiane Coendi et Dominique Pinon sont des acteurs merveilleux que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ici à Read Hall. Ils vont prêter leur voix à ces personnages, bien sûr, mais surtout à ce récit, et donc vous emmener au fil des pages de ce roman de Paul Andreu. C'est le 31 mars, à 20h, à Rédol.